Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui fâche. C'est autour du jeu de Eminence in Shadow, Master of Garden. Ce jeu est une catastrophe. Ce jeu est fait pour les whales. Mais on va partir du début parce qu'il y a énormément de choses à dire. Énormément de choses à dire. Tout d'abord, le jeu a une très mauvaise économie, sans parler du fait que, après avoir accompli énormément de chapitres, on va dire 6e, 7e, entre 5 et 7e chapitre, on nous donne à peine de quoi faire une multi et encore si on complète correctement tous les chapitres, jusqu'au chapitre 7. Et une centaine de gemmes supplémentaires. Sans mentionner que derrière, nous avons besoin de ressources pour améliorer les personnages et on a pas assez. Le jeu part dans une direction complètement pay too fast et malheureusement, on arrive à un terme où on est déjà à 5 jours. Ils ont pas réglé les problèmes, les bugs, des crashs à droite à gauche. Le jeu ne fonctionne pas sur une bonne part des téléphones. Surtout sur les derniers téléphones last gen, du coup dernière génération, que ce soit sur Z Flip, que ce soit sur Huawei, je sais pas combien, sur les Zephone ou Asus, ou dernière génération de tel. Bref, la plupart ne sont pas optimisés, enfin, la plupart des versions ne sont pas optimisées pour ce jeu. Alors que qu'on paye quand même une bonne fortune pour ce type de téléphone. On est quasiment à un SMIC, plus ou moins un SMIC. Et le jeu est vraiment mal optimisé dans tous ses sens du terme. Dans le sens où on a des drops de FPS, des écrans noirs, parfois des écrans blancs. De temps en temps, moi j'ai eu sur émulateur des écrans figés. J'ai rouge, j'ai jamais vu ça dans un jeu. D'habitude, c'est soit noir, soit littéralement un écran vert avec du codage. Mais ou sinon noir, noir ou blanc, ou très rarement du vert. Mais du rouge, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Du coup, petit mouvement, les amis. J'espère que ce mouvement va vous plaire. Il est très important. Premier mouvement à faire, c'est qu'il faut mettre une étoile dans les stores. Je vais vous mettre un lien où vous allez faire votre ticket. Bon, c'est un anglais approximatif, mais il faudra plus ou moins noter ça. Du coup, on retourne ici. Voilà. Et vous allez coller, copier, ou sinon vous mettez ce que vous voulez. Mais moi, c'est ce que j'ai écrit. Vous mettez le type de problème que c'est, feedback, etc. Et vous mettez l'adresse mail que vous voulez. Là, vous complétez. Par exemple, moi, j'ai mis bas d'économie. Il n'y a pas que ça, bien sûr. Les bugs, les crashs, les rollbacks, sans parler d'autres problèmes récurrents qui viennent s'ajouter à cela. Le jeu, pour moi, ne mérite pas deux étoiles pour le moment. Maintenant, on va parler plus précisément du système économique du jeu. Pour cela, on va aller sur le jeu parce que c'est un peu violent. Et du coup, j'ai fait un calcul. Je pense que je ne me suis pas trompé sur ce calcul-là. Et on va aller ici, ok? Tout d'abord, on va parler un peu de la stamina. Un système de stamina extrêmement pay too fast et qui malheureusement ne profite pas à tout le monde. Que ce soit pour les whales ou autres. Premièrement, on est limité par le nombre de stamina qu'on peut reprendre par jour. On est limité à 20 et du coup on est limité plus ou moins à 500, je ne dis pas de bêtises, c'est 30. Bon, du coup, on en a environ une vingtaine par jour. C'est 600 stamina, plus ou moins 600 stamina, plus les sandwichs qu'ils nous donnent. Ils nous en donnent une dizaine. On a environ 100 points de stamina, plus la recharge. La recharge à elle toute seule,
pour 1 point de stamina, enfin pour 78 points, il faut 13 heures. 13 heures pour tout compléter, on va dire que c'est plus ou moins normal. Derrière, t'accumules le mauvais système où on doit faire énormément de trucs pour arriver à une multi. Réellement, c'est très malsain de leur part. Hein. C'est vraiment très très malsain de leur part, je trouve, d'arriver à ce stade-là. Parce que pour le peu de choses qu'on a, ils nous ont déjà, en l'espace de 4 jours, nous ont déjà mis deux portails. Un portail sur Chéri et un portail sur Alexia Noël pour son event. D'ailleurs, perso très utile pour l'event, mais sauf que si on ne le drop pas, on se fait shaft. On est plus ou moins mort pour l'event. Surtout pour ceux qui n'ont pas de team bleu. Du coup, dans ma situation. Bref, ça, c'était juste la petite parenthèse. On va dans la Aproba. On est sur du 1,3% de chance de drop Alexia. Plus une chance. Enfin, deux fois plus de chance de la drop sur l'event. Ou une chance sur deux. Bref, c'est ça. Sauf que moi, en faisant 7 multi, je n'ai pas de drop. Enfin, j'ai drop qu'une seule unité, c'était Rose. Premièrement, ils auraient dû enlever les unités free-to-play. Ça, c'est la première chose à faire. Deuxième chose à faire, portail rate-up 4% parce que on n'a pas assez de ressources pour faire énormément de multi. On est limité à 2-3 multi, là. 2-3 multi avec les bonus de connexion et ce qu'ils nous donnent dans l'événement et plus la side story. Du coup, annexe, chronicle... Et quête principale. C'est-à-dire qu'on a trois multi à tout casser. Voilà, grand max, 3 multi. Grand max. Vraiment. C'est vraiment pas suffisant. Pour cet événement, ils ont été gentils. Ils nous ont donné une petite multi qu'on peut échanger dans le shop avec les points d'event. Mais c'est toujours pas suffisant. Bah, c'est pas du tout suffisant. Il faut 3-4 doublons. Je crois qu'il faut 3 doublons pour maxer une unité. Bon. Ça en soi, on va pas dire que c'est super important, mais ça reste utile. Mais si on n'a pas l'unité, en sachant que pour la petite, faut aller jusqu'à, si je ne dis pas de bêtises, 200 points et qu'on gagne. Même le système de petite, je comprends pas. Je comprends pas. Vraiment, je comprends pas. Il faut soit un SS, soit un S. Je crois que c'est 10 ou. Je crois que c'est 15 points pour un SS et 10 points pour un S pour remplir la pitch. Si je ne dis pas de bêtises. Ou même pour les points d'échange. Bref, leur système est un peu bizarre. Là pour le moment, j'ai fait des petits trucs à droite, à gauche. On gagne rien. On n'a rien. On n'a rien. Sur le long terme, ce jeu va se focaliser sur les whales. Ce jeu ne va même pas générer 100 000 euros par... Par mois, et encore, je suis gentil, je dirais 30, 40 000 euros, grand maximum. Grand maximum. Sur les 6 prochains mois, le jeu, ils annonceront la fermeture du jeu si ça continue. Avec tous les bugs, le jeu qui a un très mauvais système économique. On va juste parler de ça, on va juste parler, si on veut se faire plaisir, et qu'on a déjà acheté la totalité du truc, désolé. Mais 49 euros pour 4000 gemmes, ce qui équivaut à une multi et demi. Et là, on n'a même pas une multi ici. C'est violent. C'est vraiment très violent parce que y a la taxe derrière. 10 euros de taxe, 10 ou 15 euros de taxe sur 50 euros. Et c'est entre 5 et 10 euros de taxe sur les 30 euros. Là, on est entre 3 et 6 euros. Et après, ainsi. Là, on va même pas parler du 100 euros. J'ai essayé avec le pack de 100 euros. C'est 20 euros de taxes supplémentaires. C'est trop cher. C'est trop cher pour la licence que c'est. C'est une licence random remplie de fanservice. Le jeu, en aucun cas, ne mérite un tarif aussi haut pour le peu de gemmes générées avec les ressources et les différents modes de jeu. C'est très, très malsain de leur part de jouer sur la licence comme ça. Avec tous les bugs, le gameplay, il est pas fou. Il n'y a même pas la version PC.
Non, ça, on devrait s'arrêter juste à la version PC. Les Japonais l'ont. Leur prix, juste pour vous dire, les prix de leur pack, ils sont deux fois moins chers chez eux que chez nous. C'est abusé. Ils en veulent qu'à notre argent pour ce jeu. Je suis à deux doigts de jouer sur la version japonaise. Voilà. Du coup, mouvement à faire, comme je vous l'ai dit. Une étoile et une étoile. Dites ce que vous avez à dire dans la barre, dans les commentaires du Play Store et de l'App Store. Faites un ticket. Il y a le support du jeu qui est disponible comme par hasard qu'en anglais. Du coup, il faudra leur envoyer un truc en anglais. Sur ce, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Petit pouce bleu et abonnez-vous pour le référencement. Prochaine vidéo, s'il y en a au cas où. On verra ce que le jeu nous réserve. Je vous dis ciao et à la prochaine. Peace. Prenez bien soin de vous, tout le monde. Ciao.